Donc, vous allez m'excuser beaucoup et vous allez m'excuser très fort parce que je vais être un peu insolent ce matin. Excusez-moi si j'arrivais à blesser certains de mes abonnés, certains frères. Vous allez m'excuser beaucoup. Mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Quand c'est impoli, c'est impoli. Quand vous êtes devant des impolis, dites-leur que vous êtes impoli. Quand vous êtes devant quelqu'un qui est mal éduqué, dites-lui qu'il est mal éduqué. C'est tout. Ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. Voilà, ce n'est pas de l'injure. Foula sinani, comment vas-tu, mon frère de sang? Ce n'est pas de l'injure. Vous comprenez? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Aboubacar Diallo de Fim FM. Beaucoup de respect pour lui. Mais je pense que l'interview m'a totalement échappé. Parce que depuis hier, mais j'ai vu, on m'a envoyé le message ici, on m'a même envoyé la vidéo. Ils ont résumé, ils m'ont envoyé la vidéo. Mais je n'ai pas fait attention. Mais grand frère Seydou Souma de quoi appelle ça, de Koya, on a dit, Ibana, Djibril Konté, comment vas-tu mon frère? On a Ibana, na émission tout, na émission mundo, on a émission Alcéni Kouyaté, oh Alcéni, comment vas-tu? Respect, Kouyaté, Alcéni, comment vas-tu? Anna, il va dans la vidéo, toi. Na vidéo, Mundou. Anna, Benito, il faut aller sur l'émission d'abord. Quand je dis, ben, je ne suis pas Fim FM. Depuis que Mohamed a quitté, moi, je ne suis plus Fim FM. C'est deux fois quand le grand frère Lincoln parle là. Ok, va écouter. Prends. Moi, je te dis, je te demande d'écouter un peu. Je t'écoute un peu. Ma maman, chérie Batrou, comment va ta maman? Et j'ai pris mon temps, j'ai écouté. Mais monsieur Aboubacar, je n'en reviens pas, il faut respecter le RPG. Aboubacar, moi, je t'ai entendu dire que c'est irresponsable ce qui a été dit au siège. Aboubacar, peut-être s'il y a une différence entre toi et moi, peut-être entre toi et moi, je ne sais pas qui est plus âgé. Et s'il y a une différence d'âge, peut-être ce sera 1 an ou 2 ans. Mais il faut te respecter. Moi, je voudrais te dire de te respecter. Moi, Benito, je sais comment tu es devenu directeur de Fim FM. Parce que j'en ai longuement parlé avec Mohamed Kaba. Fembe Sabou le dit. Aboubacar Diallo Fim. Tout est Fembe Sabou le dit. Merci Général Bountodo, depuis l'Allemagne. Fembe Sabou le dit. Si tu as obtenu ce poste-là, c'est grâce à une seule personne, pas 2 ou 3 personnes. C'est Mohamed Kaba. Mais il faut te respecter. Tu ne peux pas insulter les... Et puis, je suis surpris. Que tu dis devant le monde entier que tu en appelles au Matad, c'est-à-dire au ministère de l'administration du territoire, c'est-à-dire Mori Kone. Quand tu regardes Mori là, Mori est un irresponsable. Toi, tu en appelles au Matad, c'est-à-dire pour sanctionner le RPG. Fouri Bahi, comment vas-tu? C'est-à-dire, c'est que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le Matad, c'est-à-dire le ministère de l'administration, parce que c'est eux qui donnent l'agrément. Je sais dans quoi vous êtes. Je sais dans quoi vous êtes. Moi, je sais, ton patron, Antonio Soari, a commencé à collaborer avec le CNRD depuis longtemps. Nous, on le sait, on connaît. Mettez les cœurs partagés. On le sait. Personne n'est opposé quand tu as ton business, tu gagnes ta vie. Personne n'est opposé à ça. Guinée Games, c'est revenu, non? On sait comment c'est revenu. Personne, moi, je l'ai dit dans tous mes directs, celui qui gagne avec le CNRD, celui qui gagne avec le CNRD, que Dieu te donne l'argent. Mbemba Kita, il m'a demandé ça. Quand on le faut, ben, allez-y voir mes vidéos. Si, voilà. Voilà. Si tu as l'argent avec le CNRD, que Dieu te donne. Mais nous associer à tes conneries, nous ne sommes pas dedans. Ce que le. Vous savez, le papa que tu vois, notre tonton Sissoko que tu vois comme ça là. Les tontons Sissoko que tu vois du RPG là. Toi-même, j'ai vu dans tes propos, tu fais beaucoup attention pour le manquer de respect. Tu connais ses enfants. Est-ce que tu connais ses enfants? Tu connais les enfants. Je vais me manière. Tu connais les enfants de tonton Sissoko. Tu connais ses enfants. Tu connais quel âge a son premier enfant avant de commencer à le manquer de respect. Voilà des gens. Voilà des gens qui ont passé toute leur vie. Ça dit. D'abord, c'est les premiers jeunes du RPG. C'est ceux dont tu vois comme ça là.
les premiers jeunes du RPG, avec ton, le grand le papa Sékou Swapé. Voilà les jeunes du RPG. C'est eux qui ont commencé très jeunes avec les Hadja Nantoula. Hadja Nantoula, les jeunes filles du RPG. Aboubacar Diallo du film, il faut respecter les gens. On le dit bien sûr que le journaliste est libre de dire ce qu'il veut. Si cela n'entrave pas à quoi, d'accord. Mais ce que tu as dit là, nous on peut porter plainte contre toi. Parce que si tu nous traites d'irresponsable, on peut porter. Toi tu demandes le MATAD, le ministère de l'administration du territoire, qui peut intervenir. Ce ministère là, nous notre parti est plus âgé que Maurice, je l'ai dit dans une vidéo. Notre parti là est plus âgé que Mori. Si toi tu n'as pas vu Mori à Kanka, moi j'étais en terminale, Mori là était en 9e année. Mori qui est là, l'administration du territoire là. Lorsque nous on était en terminale science expérimentale, le petit était en 9e bas. Je ne sais pas si c'est 9e, 10e. Le petit que tu vois comme Mori là. Si toi tu ne l'as pas vu là, nous on l'a vu. Médiocre. Si tu as entendu les Joe, ceux qui étaient les Joe de Djuma, les deux qui parlent à Zouzou là, si c'est un problème de classement, si c'est le premier qui devait être présent là, Doumbia n'allait même pas être parmi les 20 000 premiers. Ça, c'est une réalité. Pourquoi vous ne partez pas répondre à des questions comme ça? Mais il faut nous respecter. Il y a quoi? Et puis, tu refuses que le frère Lincoln dit la vérité. Lincoln a parfaitement raison. Le RPG a raison de réclamer le retour de son patron. C'est normal. Quand je vois une sorcière, un visage, je ne sais pas. Hein? Non, Yannick, je ne vais même pas perdre mon temps. Sinon, Yannick est là comme ça, là. Toi, Aboubacar, comme tu suis mes vidéos à travers un faux compte. Lui, Yannick fait même quartier que lui. Après, moi, je suis de la Victorie. Il est de quartier énergie. Énergie, là. Et j'ai passé un bon moment, c'est l'ami de mon papa là-bas qui est décédé, le patron des eaux et forêts, là. Mori, là, je le connais depuis. Donc, lui n'a rien à dire aux gens. Il n'y a pas quelqu'un des jeunes de l'énergie qui ne connaît pas son passé. Celui-là qu'on appelle Mori Kone, là. Tu comprends? Mais il faut respecter les gens. Tu ne peux pas traiter notre parti ou bien traiter nos responsables d'irresponsables. Toi, tu peux dire à Fofana, là, vous dites que vous ne connaissez pas Fofana. Fofana, là, j'ai vu son poste ce matin-là. Vous dites que vous ne le connaissez pas, mais il vous a mis en garde. Et je remercie le frère Fofana. Il dit qu'il est capable d'aller porter plainte contre vos manquements de respect. Il a dit de se préparer comme des drogués. Ceux qui se racontent par le CNRD, ou bien ce n'est pas Oulada qui l'a dit devant le monde entier. Oulada n'a pas dit que avant que Kassori ne sorte, il peut l'empoisonner. Que si nous, on ne sait pas que Kassori peut sortir malade, et puis dès qu'il sort, il meurt, ou bien tu n'as pas entendu. Des propos comme ça sont extrêmement graves. Est-ce que vous avez condamné ces propos-là? Vous avez condamné ces propos? Et pourtant, c'est un simple blogueur qui est venu manquer de respect à notre candidat, choisi par le Posa Fakonde et le RPG Arc-en-Ciel. Que vous ne savez pas qu'on peut, Kassori peut sortir malade, on va l'empoisonner avant, quand il sort, il va mourir. Il a dit devant le monde entier. Est-ce que vous avez condamné ses propos? Est-ce que vous avez parlé de ça d'irresponsable? Maintenant, nous sommes un parti responsable. J'ai dit, notre agrément là est plus âgé que vous. L'agrément du RPG, parce que depuis le temps de Sékou Touré, ce n'est pas au temps de Lansarako, depuis le temps de Sékou Touré, paix à son âme, le Posa Fakonde a commencé à se battre pour la démocratie en Guinée. C'est indiscutable. Ou bien vous ne connaissez pas son ancien nom, on dit l'opposant historique. Je peux te donner le nom de club du Posa Fakonde, c'est les Bamadou que Bamadou Banque Mondiale, paix à son âme. Alpha Kone même l'a dit, vous ne connaissez pas la relation. D'où a commencé la relation entre Bamadou et Alpha Condé? Allez-y, ils vont vous expliquer très bien. Au-delà de tous les deux-là, pourquoi ils étaient trop amis. Et ce qui a anticipé la libération du procès Alpha Condé, c'est lorsque Bamadou a dit à l'ancien Condé, comme jusqu'à nous avons tout fait, tu refuses de le libérer. Maintenant, moi, je vais le rejoindre. Nous allons rester à deux là-bas. Depuis tant de Sékou Touré, j'ai dit, c'est pas en ce temps de lancer la compter. Depuis le temps de Sékou Touré, le Posa Fakonde a commencé à se battre contre les différents régimes en Guinée. Toi, tu as quoi à nous dire? Oh, mais quand tu regardes Sékou Swapé là,
va se couper, le papa se couper, il va t'expliquer l'histoire du RPG. Si Mori en sait un peu d'amour, il ne connaît rien du RPG. Mori, là, c'est un militant du RPG, il faut le demander. Non, Bemba, il m'a rencontré dans la famille, le manque de respect. Toi, tu peux dire à nos cadres, les propos de nos cadres, dire, toi, tu peux traiter nos cadres de responsables. Toi, tu peux, avocat fille. Vous êtes en train de manger votre argent. Mangez votre argent. Gagnez avec le CNRD. Mais même si vous êtes un groupe d'ingrats, donnez-moi le nom d'une seule radio privée qui est prospère, qui est bien implantée aujourd'hui, qui n'a pas pris ses racines au temps du procès. Donnez-moi une seule radio privée. Donnez-moi le nom d'une seule radio privée qui est renommée aujourd'hui, là, qui n'a pas commencé avec le procès. Je ne dis pas les anciennes, parce que les anciennes premières radios privées ont disparu. Mais je dis les vrais, les vraies radios privées aujourd'hui. Grande gueule, vous filmez là. Vous avez commencé vos émissions, vous avez commencé, qui vous a implanté, vous avez commencé tout cela, le temps de qui? Le temps du procès en Fakoni. C'est lui qui nous a demandé de ne pas vous répondre. Il y a tellement de personnes au sein du RPG qui ont voulu régler vos comptes. Surtout les grandes gueules. Demandez à Guilassi. Il n'y a pas ceux qui les n'ont pas voulu. Ils ont tout fait. C'était des réunions, des rencontres pour en découdre avec Guilassi. Mais lui, le poste à Fakonde, si quelqu'un le touche, quelqu'un parle, quelqu'un fait net, mais vous allez nous sentir, c'est le 15, ça c'est demain. Je pense que une date, ça, moi je dirais aux forces d'éviter de donner le soir là une date. Je vous ai dit, laissez-nous, vous avez vu les gens sont en train de nous insulter. Des petits journalistes qui ne sont même pas agrémentés. Tu prends les avocats là, tu les envoies en Côte d'Ivoire. Ils seront complétés de parler devant les autres médias là-bas. Mais je sais. Quand vous parlez de Diaraï là, Diaraï, regardez, tu permets à cette petite fille d'insulter le RPG. Mais quand je vous écoute, c'est à cause de le frère Sédouba, il dit, moi, m'en ira écouter. Benito, moi, m'en ira écouter. Écoute jusqu'à la fin. Il m'a colonié Routaré. C'est comme ça le frère m'a dit. Il m'a colonié Routaré. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de respect. Et puis, Moutouma, grand Lincoln, ouais. Ce que Lincoln a dit, pourquoi tu as dit de ne pas raison. Lincoln a parfaitement raison. Nous n'avons pas le droit de réclamer notre chef. Moi, j'ai pensé que vous étiez démocrate. Moi, j'ai pensé que vous, au moins vous étiez démocrate. Pour que quelqu'un soit un ancien président, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il signe sa lettre de démission. Et puis, je vous ai dit, vous voulez créer un problème, une tension entre Sédar Ndiallo et Poussa Fakonde. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Parce que nous ne demandons pas de l'aide. C'est le ne demande pas de l'aide. Nous avons accepté de travailler ensemble. Vous comprenez? Le jour où elle a Sédar Ndiallo se sentira vraiment léger ou bien il voudra plus travailler avec le RPG, il le dira. Il le dira. Elle a Sédar Ndiallo, c'est un grand politicien. C'est lui le président simple. C'est lui, quand tu le vois, c'est lui était. Il a occupé tous les postes clés. C'est lui connaît la mentalité de tous les Guinéens. C'est un grand responsable, donc ce n'est pas à vous, des petites personnes comme ça, qui doivent enseigner celle de la politique. Mais quand on vous regarde, quand moi je vous entends, quand je vois Diaraï, il peut dire quoi à celle-là? Diaraï peut expliquer quoi à Sédar Ndiallo en matière de politique? Non, franchement. Franchement, nous, je le dis, je vous réponds, vous, les petites personnes des films là, le RPG là n'a pas besoin d'aide. Le RPG était victorieux en 93. Est-ce que nous avons gagné avec d'autres partis politiques? Non. Le RPG a gagné seul l'élection de 93. C'était avec l'aide de qui? Nous avons commencé à entrer en coalition, c'est tout récemment là. Sinon, nous avons évolué en solo depuis que nous avons commencé Traoré Touraman. Depuis là, nous avons évolué en solo. Vous pensez que nous avons besoin d'aide? Mais à un moment de la vie, je dis à un moment de la vie, les grands politiciens sont amenés à rester ensemble, à se battre ensemble. D'accord, ma mère, Sambra, je te salue. À rester ensemble, à se battre ensemble, c'est ça la politique. Il y a des coalitions pour les législatives, les coalitions pour les communales, les coalitions pour la présidentielle, c'est comme ça la politique. Ce n'est pas vous, c'est comme ça que je dis, est-ce que vous pouvez donner le coup de politique à Sédar Ndiallo? Lui, il sait dans quoi il est. Entre Ella Sédar Ndiallo et Alpha Condé, qui cherche le pouvoir? Tellement que vous êtes bêtes. Entre Elage CDD et Alpha Condé, qui cherche le pouvoir? Entre les deux-là, qui veut être président? Moi, je me limite là, comme vous êtes intelligent là.
entre les deux qui cherchent le pouvoir. Non, Hassan, Abotou, frère Hassan, Abotou, entre El Hassan Dalen Diallo et Sojo, El Hassan Dalen Diallo et Alpha Condé, qui cherche le pouvoir. El Hassan Dalen Diallo, lui, il connaît dans quoi il est. El Hassan Dalen Diallo, il sait, pour avoir le pouvoir là, il le sait. Alpha Condé déjà a fait le pouvoir. Il a été président, il est président. Donc, vaut mieux. C'est à cause de ça que j'ai suivi une émission sur la passe de Metz-Bari. Il y a un frère qui intervenait sur la passe de Metz-Bari. En poulard, il mélange avec le français. Il connaît bien la politique européenne. Il a parfaitement raison. Il dit que c'est les mêmes personnes, les personnes qui ont empêché l'union entre Alpha Condé et Sédou, le temps du régime de professeur Alpha Condé. C'est les mêmes personnes qui sont autour de Doumbouya. Ils ne veulent pas que Doumbouya et la classe puissent s'entendre pour que Sédou avance. Ça, c'est une réalité. J'ai suivi le débat jusqu'à la fin. C'est une réalité. Je l'ai dit dans beaucoup de mes interventions. Moi, je connais les responsables de l'IFBS qui n'ont jamais accepté que celle-là soit amie avec le professeur Alpha Condé. Ils ont leur propre intérêt. Aujourd'hui, là, ils ont transité. Le monde entier a vu comment ils ont transité. Le jeune a bien dit en plein, il a parfaitement raison. Ça, c'est une réalité. Moi, je vous rappelle, entre celui et Alpha Condé, ce n'est pas les deux là qui veulent le pouvoir. Je me limite là, entre les deux. Si vous pensez que c'est un problème de fils Abidilaï, c'est-à-dire on dit à l'IFDZ, fils Abidilaï, aidez-nous. N'ont pas besoin d'aide. L'IFDZ n'a pas besoin d'aide. L'IFDZ n'a pas besoin d'aide. Mais en politique, là, arrivé à un moment là, si vos trajectoires là, c'est recoupe, que c'est rencontre comme ça là, vaut mieux associer les deux trajectoires pour être sur la même ligne au lieu de partir de chacun n'a qu'à suivre sa trajectoire. Mais vous, moi je vous comprends. Parce que politiquement aussi, votre patron, Antonio Soare, curieusement veut être candidat. Bon, donc on ne sait pas. Si moi je vous entends dire non, c'est le droit de comprendre, c'est le droit de s'éloigner. Oui, nous l'avons dit. Nous avons entendu ça. On a demandé à certains politiques de s'éloigner d'Alpha Condé s'il veut être président. Mais pourquoi jusque-là nous sommes comme ça là? La Sédale n'a pas dit niet sur Alpha Condé. Vous avez tout fait pour le faire parler. Lui le sait. Vous avez fabriqué un audio là. L'audio pour dire que voilà ce que Sédale avait dit à Alpha Condé au téléphone. Quand nous avons demandé au professeur Alpha Condé, il dit c'est archi faux. Seulement nous avons bien parlé. Nous avons très bien parlé. Les conseils de la Sédale nous ont dit qu'ils ont très bien parlé. Maintenant, vous les petits menteurs là. Est-ce que l'audio là a fait effet? Il y a eu combien de tentatives en une semaine pour créer des troubles entre l'IFDZ et le RPG? Vous n'avez pas pu. Ce que vous ne savez pas, entre les deux parties-là, personne ne demande de l'aide. C'est les deux parties-là qui ont accepté de vivre, de travailler ensemble. Maintenant, que cela soit du goût de quelqu'un ou pas, ça n'intéresse pas les deux parties. Vous comprenez? Mais à Bakar, FIM FM, il faut respecter. Le RPG est un parti responsable. Notre parti est un parti responsable. Tu dois respecter notre parti. Il faut arrêter. Sinon, il va arriver un moment là, nous allons créer des comptes pour t'insulter, pour que tu entendes. Merci, Madame Gisbangoula. Parce que franchement, moi, je me dis que manquer de respect à papa Sissoko, parce que lui n'est pas ton camarade. Même en le voyant, ce n'est pas ton camarade, hein. Dire que les propos sont irresponsables, ce n'est pas ton camarade. Ce qu'il a dit, comme tu ne comprends pas français, comme tu ne comprends pas français, lui il dit que nous ne parlons pas de présidentiel, nous devons réclamer à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies, le retour du professeur Alpha Condé. Il y a quoi d'irresponsable dans ça? Je suis fier de demander comment vas-tu, Namoba, l'un des plus grands communicants, le patron. Folie, il y a une fois, depuis Gabon. Fofana, là, lui, il a dit, je pense que tu as vu son poste, hein. Vous avez vu le poste de Fofana, parce qu'il a écouté votre émission. C'est-à-dire, d'être comme des drogués, de se préparer. Il a raison. Entre nous aujourd'hui, qui se drogue dans ce pays-là?
Qui est drogué dans ce pays-là? Qui aujourd'hui prend la drogue? Qui même vend la drogue? Qui vend la drogue? Qui est drogué dans ce pays-là? Quand vous regardez les responsables du RPG, qui se drogue? Nous connaissons les drogués. Qui ne connaît pas les drogués aujourd'hui? Qui se drogue aujourd'hui? Vous voulez qu'on vous donne le nom des personnes qui se droguent, au-delà même qu'ils vendent la drogue, mais qui se drogue? Est-ce que vous pouvez dire le nom des personnes qui se droguent? Il faut respecter. Moi, j'ai entendu le frère là, je ne sais pas, le doyen là, c'est un peu là. Il a parfaitement raison. Le RPG est un grand parti. Il faut au moins prendre le temps d'écouter tes proches, ceux qui travaillent avec toi. Le RPG est un grand parti. Tu comprends? Le RPG est un grand parti. C'est ce que Lincoln aussi dit. Ça dit, toi, tu dis, oh, j'ai entendu un individu là-bas, que tout le monde est devenu politicien à Guinée, que c'est très grave. Il faut que certains se désintéressent de la politique. Tu as entendu ce que Lincoln dit? Même dans mon petit quartier là, ici là, au nord-est, je dis bien, au nord-est de Philadelphie, le petit quartier là, quand il y a élection, même le juge ici là, qui règle les litiges là pour ne pas arriver au sommet là, il est élu. Tout est élection. Quand vous dites que tout le monde est politicien, il arrive des moments où on rentre dans le quartier, même dans ton téléphone, on t'envoie un message. Tu appartiens à quel parti? Socialiste ou démocrate? Républicain ou démocrate? Même quand tu veux aller pour le citizen, la question, tu peux éviter la question, mais ça est là-bas. Il y a des fiches que tu remplis, ça est là-bas. Tu es républicain ou bien... D'abord avec Green Card, on dit tu es républicain ou bien démocrate. Tu peux éviter la question, tu peux l'éviter, mais on demande. Vous dites que tout est politique, d'autres doivent rester sans... Tout est politique. Tout est politique. Dans quel pays du monde où tout n'est pas politique? Dans quel pays du monde? Que tout le monde devienne politicien, il faut qu'un groupe se désintéresse de la politique. Vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez? Bande de brigands. Moi, s'il y a quelqu'un qui a défendu Antonio Soare là, lorsque l'affaire de Fédération Guinée, il y a Benito. J'ai du respect pour mon papa, c'est un père à moi. Mais actuellement, nous ne l'attaquons pas. C'est quand la politique va arriver. S'il veut être candidat, là, il n'a qu'à être candidat. Mais quand cela va arriver, là, vous allez voir, vous allez sentir. Même il y a des communicants de l'IFDS qui vont tirer sur vous. Ne vous en faites pas. Si actuellement, là, vous pensez que les gens vous font des cadeaux, vous n'avez rien compris. Attendez que la politique commence, les élections commencent. Vous allez voir les communicants de l'IFDS. Ils ne vont pas vous rater. Ils ne vont même pas vous rater. Ils ne vont même pas vous rater. Si Antonio Soare veut être candidat, vous voulez maintenant, le RPG la présentera un candidat. Et le seul que nous avons là dans notre main, c'est Kassori. Regardez-moi des guignols comme ça, des délinquants journalistes comme ça, flanqués en train de manquer de respect. Mais je prie le Tout-Puissant Allah. Que vous continuez à faire un débat sur Fofana. Lui, il a dit, je serai capable de porter plainte contre vous. Il a dit, tous les journalistes des films, je vais porter plainte contre vous. Diffamation est mal interprétée. Parce que vous avez mal interprété ses propos. Parce qu'il n'a en aucun cas dit aux gens de se droguer. Il n'a pas dit ça. Il dit de se préparer. Oui, nous allons nous préparer. Ou bien on n'a pas le droit de réclamer. Pourquoi tu n'as pas écouté Lincoln? Nous avons le droit de réclamer le retour du poste à Fakonde. Ou bien on n'a pas le droit. Et puis vous dites non, que c'est le droit de comprendre par là, qu'ils ne sont pas dans la même logique. C'est-à-dire le RPG. Pour le retour à leur conscience, pour le RPG, c'est pour le retour d'Alpha Condé. Pour celui maintenant, celui doit être présent. Entre celui et Alpha, c'est celui qui doit être présent. Si nous devons, c'est celui qui doit nous demander de le soutenir pour qu'il soit président. Oui, parce que c'est lui qui peut être candidat. Alpha ne pourra plus être candidat, mais celui peut être candidat et on peut le soutenir. Donc c'est lui qui peut me demander de le soutenir. Bête que vous soyez. Regardez-moi des animaux comme ça là. C'est lui. Mais heureusement, lui, il ne va pas vous écouter. Heureusement, vous n'avez pas la même vision. Lui, quand je vous vois, vous, les petites personnes, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez donner, les cours de politique que vous pouvez donner à ces loups. N'importe quoi. Et je voudrais terminer par toi. Voilà, aujourd'hui, Dr. Kassori est malade à l'IKF. Dr. Kassori est malade. Il est gravement malade. Oui, il est malade. Et ce qui est intéressant, comme vous aimez la loi, les règles, le respect, il y a un document qui a été... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a appelé, a coupé mon appel. Excusez-moi. Il y a un document,
Heureusement, ce n'est pas de la fanfaronnade. Vous aimez dire que vous n'avez pas reçu de document. Moi, je sais pourquoi l'ensemble de nos avocats-là ont pris Maître Yomba. Parce que voilà quelqu'un qui a une équipe autour de lui. Moi, j'ai aimé le fait qu'on a associé Maître Yomba dans notre équipe. Je suis très content. Parce que voilà un monsieur qui a un secrétaire, qui a un coursier, qui a un analyste, qui a un rapporteur. Il a au moins 5 personnes autour de lui, Maître Yomba. Donc, aucun document ne peut venir. Ou bien, ils ne peuvent être au courant d'aucun document, le garder sans analyser le document. Donc, les médecins de Dr. Kassori. Ah ouais, Djabino, c'est quelqu'un qui a appelé. J'ai dit. Excusez-moi, une minute. Juste une minute. Ne vous en faites pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as reçu le document. Les médecins t'ont remis le document. Parce que jusque-là, tout va bien avec Dr. Kassori. Tout allait très bien. Mais ça fait il ne peut pas se tenir sur les deux pieds. Vous savez, depuis qu'il était à la maison centrale, il se plaignait de son genou gauche. Au fur des examens, ça va. Et voilà, aujourd'hui, c'est établi partout. Aujourd'hui, les médecins ont fait un document. Ils t'ont donné. Ils t'ont remis que Dr. Kassori doit être évacué. Nous savons qu'il ne sera pas évacué. Parce que voilà, Fode Ousso n'a pas été évacué. Docteur Fode Ousso, dont le document est venu de l'étranger, le monsieur est parti gentiment vous remettre le document. Voilà, je dois me présenter à un examen. Il ne l'avait pas accepté. Mamadou Sylla, qui vous supporte, est parti déposer un document. Il dit qu'il s'en va se traiter. Le monde entier a vu Mamadou Sylla en train de couper gâteau d'anniversaire, fêter toute sa vie avec sa famille. Et Fode Ousso est là, malade. Il est à Conakry, il est malade. Son œil là. Il risque de perdre son œil. Docteur Kassori le voilà. Nous, on savait qu'on n'allait pas le laisser partir. On le sait. Parce qu'aujourd'hui, là, la seule chose que vous voulez, là, nous, on le sait. On le sait. Bon, Six, comment vas-tu? Nous, on le sait. C'est que vous voulez. Kassori dit qu'il ne sera plus candidat, mais au-delà qu'il ne soit plus candidat, mais qu'il ne soit pas candidat du RPG arc-en-ciel. Parce que Kassori est égal au retour du RPG au pouvoir. Et si le RPG revient là, il va se venger. Voilà. C'est toute la phrase. Il faut trouver les voies et moyens pour ne pas que cet homme soit candidat. Parce qu'à un moment-là, les gens ont parlé de son remplacement. Dès que ça a commencé, on a tapé. Les gens ont oublié ça. Nous avons même mis en garde les responsables du RPG qui vont s'aligner sur ça. Parce que nous n'allons pas les rater. Oui, mais si tu l'acceptes là, n'oublie pas que ton nom sera affiché. Il y a beaucoup qui n'aiment pas qu'on affiche leur nom. Donc là, tu as reçu le document. Docteur Kassori est souffrant, il est malade. Non seulement d'abord, tu n'as pas transmis le document à la Cour suprême. Ali Krief, tu n'as pas transmis, tu n'as pas remis aussi à Charouette. Le document a été avec toi. Mais Maître Yomba a le document. Il a fallu que Maître Yomba prenne le document, l'envoie montrer. Et quand la Cour suprême a reçu le document, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le document. Et pourtant, tu étais chargé de transmettre le document. C'est ce que la loi dit. Mais tu ne l'as pas fait. Morikone, merci beaucoup, mon frère ami. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, hein? Tu n'as pas transmis le document. Mais Maître Yomba, lui, il a transmis le document. Il dit, regardez, il est malade. C'est à cause de ça, il a dit qu'il te tiendra responsable de tout ce qui va arriver à Koska. Et de mesurer les conséquences. Parce que quand on vous parle de ces conséquences, on dit non, ce casseur a été mis en plus aussi, personne ne s'est levé. Les sous-sous ne sont pas levés, rien. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous sous-estimez le mécontentement général de la population. Aujourd'hui là, si vous quantifiez le nombre de Guinéens aujourd'hui qui en a, c'est-à-dire, ils ont, les Guinéens maintenant ne veulent même plus sentir, ne veulent même plus entendre parler le mot. Ce n'est pas un problème d'Oumbouya, hein, mais le mot CNRD, les gens ne veulent même plus entendre parler. J'ai dit n'importe quel militaire, n'importe quel, c'est-à-dire quelle que soit la personne, même si c'est un chien,
Si lui prend ce type-là aujourd'hui-là, le monde entier va s'aligner derrière lui. Oui, parce que franchement, ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui-là, c'est un règlement de compte. C'est la vente de la drogue. Rien. Vous avez voulu prendre les projets du Posta Fakon, en faire la publicité. Nous sommes venus de coup. Nous avons mis ça nu. Nous avons expliqué aux gens que tous les projets qui vont documenter, ce sont des projets du Posta Fakon, des projets qui avaient déjà son financement. Tous les projets avaient leur financement. Tout était calé. Ça veut dire d'exécuter. La dame Diaby qui est là-bas, elle le sait très bien. Elle le sait. Diaby qui est là-bas, là, qui était ministre, la dernière ministre des travaux de l'Alpha Condé, qui est aujourd'hui au grand projet, connaît très bien, c'est elle qui gère aujourd'hui ces projets. Donc Ali Krief, Charouette, moi je ne peux pas accuser Charouette, parce qu'il dit qu'il n'a pas reçu le document, et c'est toi qui devais remettre le document. Et je te le dis, nous le répétons haut et fort. Voilà, la Cour suprême a rejeté encore la décision concernant de Tekassoli pour 2 semaines. Je dis bien, pour 2 semaines. Parce que le, je ne sais pas si c'est la maman de qui est décédée, bah, à cause de la mort d'une mère de quelqu'un, le monsieur va faire le ramadan en prison. Jusqu'à, je ne suis pas en train de parler de mon oncle Damaro, hein, de Oye Gilavogui. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez ces bonnes personnes-là qui sont en prison, les voyous sont en train de se promener partout. Hein. Mais Ali Krief, docteur Kassori, est gravement malade. Et quand Maître Yomba t'a appelé, je le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Je peux te montrer. Maître Yomba t'a appelé. Il dit, je viens de la Cour, on me dit que tu n'as pas transmis le document. Qu'est-ce que tu as dit à Maître Yomba? Que dans 2 ou 3 heures, tu seras à lui. Jusque-là, nous sommes comme ça, là. Personne ne m'a appelé pour dire que tu as rappelé Maître Yomba. Tu ne l'as pas rappelé. Tu ne l'as pas rappelé. Hein? Et pourtant, tu l'as promis de le rappeler dans 2 ou 3 heures. Tu ne l'as pas fait. Ce que tu évites, là. Tu n'aimes pas les reproches. Tu n'aimes pas qu'on pioche dans ton mauvais fonctionnement. Jusque-là, nous sommes comme ça, là. Ils t'ont demandé les documents d'accusation que tu as trouvé, le document d'accusation qui devait envoyer Kassori dans un procès. Les avocats n'ont pas reçu le document. Jusque-là, nous sommes comme ça. Ils n'ont pas les documents. Le procès doit s'ouvrir demain. Il n'y a pas de documents. Ils ne savent même pas de quoi tu reproches à Kassori. Parce que toutes les anciennes accusations-là ont été balayées. Toi-même, tu dis que ce n'est plus valable. Tu trouves des accusations et puis tu dis que ce n'est plus valable. On laisse ça. Ça c'est le... Mais ce que toi, tu as trouvé là, jusque-là, là, et ils n'ont pas les documents. Et pourtant, la défense doit avoir les documents. C'est pour venir dire après, payer les médias pour dire qu'Assori a fui la justice. Et puis, comme il a fui, il ne s'est pas présenté, vous le condamnez à 5 à 6 ans. Okay? Il ne sera pas éligible. Et nous le disons, hein, pour terminer la vidéo, c'est-à-dire, si vous condamnez Kassori, vous irez aux élections sans nous. Et nous allons vous montrer comment on fait les élections dans ce pays-là. Donc, portez-vous bien. Merci à tout le monde. Et encore une fois, à Bakar Film FM, nous te mettons en garde. Et Baki, il a un polia là, parce que tu es très mal éduqué. Tu es très mal éduqué, parce que manquer de respect à notre papa Sissoko. Papa Sissoko, c'est pas une petite personne. Papa Sissoko, c'est le compagnon du Posta Fakonde. Regarde-le, regarde son visage, regarde, c'est un ancien, regarde. C'est des gens qui ont passé plus de 35 ans, 40 ans de combat dans le RPG. Ça, on appelle ça de la loyauté, de l'amour pour un parti. Passer plus de 40 ans dans un parti politique. Regardez la classe politique. Les gens jonglent. Regardez les Baouris. Le Baouri est à son 4e parti politique comme ça. 4e parti politique, Baouri. Foya Milimono même, je ne sais pas. Mais lui, les gens là, les Saloum Cissé et autres là, ils sont, depuis plus de 40 ans, ils sont dans le même parti là. Ils connaissent le parti de fond en comble. Ils connaissent. Donc, tu ne peux pas te flanquer devant dans ton fauteuil là-bas là. Manquer de respect. Je ne parlerai pas de Diaraï, cette sorcière là, nous. Elle n'est pas importante. Nous demanderons plutôt à elle d'aller se soigner. Partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît, partagez.
Nous demanderons à Diarra d'aller se soigner un peu, de demander aux gens combien coûtent les messes là, les vraies perruques là. Il y a les perruques là-bas là, des perruques. Mais malheureusement, on connaît son salaire. Voilà des gens qui ne touchent même pas 1 million, qui crachent sur nous. Oui, si ce n'est pas Facebook, Meta qui paye, Abaka, le code d'Abaka, je ne sais pas comment vous gagnez, les bonus que vous gagnez là, je ne sais pas combien vous gagnez. Sinon, elle n'a qu'à demander à des grandes dames là-bas, là, au moins, même si tu n'arrives pas à payer les perruques là, mais il y a des tresses africaines là, des tresses africaines. Voilà, des tresses africaines, des tresses très simples comme ça, où on met les boucles là, ça rend très joli. Mais toi, même si on t'arrange, on met mes cartes là, tu ne peux pas être belle. Regarde-toi. Regarde-toi. Parce que tu cherches là, il faut gagner ça. Mais venir nous dire, t'as dit, tu parles à même si Alpha Condé avait fait 10 enfants, même son dernier enfant serait plus âgé que toi. Donc le manque de respect est venu de lui-même, de Abakar. Abakar qui vous permet de manquer de respect. Et c'est ce que je te dis, pour que toi tu te trouves un mari, Diaraï, pour que tu te trouves un mari. Et tant, et Aramefe, et Aramefe sont ton vrai garçon, c'est-à-dire le garçon de rêve de tout le monde. Et mon assortement. Guinefaïna Konak, n'est Mohamed Storsin Dede. Guinefaïna Konak, et figure, faut être ton femme propre. N'est Mohamed Storsin, c'est pas toi, on dirait, les, je sais pas. Voilà. Comment j'appelle ça? Il y a un proverbe conyan qui est oublié, d'accord, prochainement. Ton visage là, il y a tellement de belles femmes à Konak. La Guinée même est reconnue mondialement. Oh, merci, Bassi. Oh, voilà mon frère, j'aime trop le mec là. J'aime trop Yannick, merci Yannick. Ton visage, on dirait Bassi. C'est comme ça on dit, merci, Bassi. Voilà. Ça dit, regarde les belles femmes, c'est trop loin. Il y a trop de belles femmes à Conakry, trop jolies, partout dans le monde. Les Africains qui sont aux États-Unis, partout, quand tu demandes où on trouve les belles filles en Afrique, ils vont en Afrique occidentale, ils vont te dire c'est en Guinée, au Mali, la Guinée et Mali. Mais là, si tu es dans toute l'Afrique, ils vont par la Guinée, le Mali, le Rwanda, l'Ouganda et autres, à cause de certaines ethnies-là. Voilà.